Et salut à tous, c'est Je Pacor et on se retrouve pour le quatrième épisode de Super Mario Galaxy 2. Et la dernière fois, si vous vous rappelez, nous avions reçu une lettre de Billy Banane qui nous indiquait qu'il avait un défi pour nous dans les terrasses des Rigolonibus. Nous allons donc gentiment y aller. Hop. Nouveau, du réfugié sur les terrasses, défi. Et on va voir en quoi consiste ce défi. Alors, il y a beaucoup d'ennemis. Hop, bienvenue dans la galaxie. Alors, eh ben, tu vois là enfin. Oh, t'es gentil, je tourne à la suite, donc ça fait 5 minutes peut-être maximum. Donc bon, bref. Yo man, c'est moi, Billy Banane. Je sais, j'ai l'air Apple Space. Bon, tu me diras, toi avec ta moustache. Bref, je détiens un record ébouriffant de 10 000 points dans ce jeu. Un bon jeu, man, c'est un jeu pas compliqué, vu? Alors voilà, il suffit de taper ou d'écraser les ennemis et de ramasser les pièces pour marquer des points. Si t'égales ou dépasses mon record, tu gagnes une de ces précieuses étoiles et tout mon respect. Alors, tu relèves le défi, man? Ouais. Faut marquer 10 000 points. Bonne chance, man, t'en auras bien besoin. Alors, un fragment d'étoile, c'est 10 points. Un one-up, je crois, c'est 500 ou 1000. Les pièces, c'est 100. Écraser un ennemi, c'est 100. Sauf si vous faites des combos où ça fait 100, plus 200, plus 300, plus et ensuite 300 jusqu'à la fin de ta vie. Donc bon, en sachant ça, il va falloir qu'on écrase le plus d'ennemis possible sans toucher le sol. C'est parti. Ah, apparemment j'ai touché le sol, je sais pas comment, mais j'ai touché le sol. Et on va pouvoir... Ok, j'en ai loupé. Ici, il y a un one-up. Ah, c'est 1000 points. Plutôt cool. Hop. Donc, du coup, nous allons pouvoir avancer ici. Hello. Hop. Vous voyez, on peut utiliser le tournement pour être sûr d'atterrir correctement si besoin est. Hop, hop. Allez là. 2, 3. Ah, j'ai pas eu. Ok. Donc, on va ramasser les pièces. Et voilà, on est à 6000 points. C'est bon, on a eu les pièces. Ici. Hop. Ok, c'est des fragments d'étoiles. Bon, on peut en prendre. C'est toujours ça de prix. Alors, 1, 2, 3. 5, c'est bon. Si on va pouvoir hop, prendre ce one-up, s'il vous plaît. Merci. Et on atterrit directement ici. Ok, je pensais atterrir sur un ennemi, mais soit. Et on marque le max de points. En plus, on fait le max de vie également. Hop, hop, j'ai loupé. C'est bon. Hop. 14 000 points, donc je pense que là son record il aura pas fait long feu. On va voir si on peut faire 15 000. Est-ce qu'on peut? Non! Là, s'il te plaît, non! J'aurais pu faire 15 900. Bref, la classe! 14 910 points. T'es un sacré adversaire, aussi bon que moi. Tu déconnes, j'ai explosé ton record. Tiens, voilà ton étoile. Ouh, une étoile. Hop, qu'est-ce qu'il dit? Cool, reviens me voir pour tenter de battre ce record. D'accord. Donc, nous avons l'étoile. Réfugié sur la terrasse, défi, fragment d'étoile, pièce. Ah, eh bien, petit, tu en as dégoté des étoiles, hein? On va inscrire combien t'en as sur ce panneau étoile tout neuf. Oui, Moussaillon, c'est le panneau à côté de la roue du gouvernail, là.
Au passage, tu peux aussi t'en servir pour savoir où se trouvent les autres étoiles. Bien, non? Ouais. Et donc, tant qu'on est dans le monde 1, on va également revenir par ici et inviter Soluma, maintenant qu'on a assez de fragments d'étoiles. Surtout que c'est une galaxie que j'aime bien. Donc bon. Tiens, on dirait bien que tu as trouvé un goinfre humain. Il porte bien son nom. Prépare tes fragments d'étoiles. Ok. Et toi, mon copain, t'as des fragments d'étoiles pour moi? J'ai faim. Je veux des fragments d'étoiles. Si j'en avale 300, je me transforme. C'est parti. Hop. Je vole. Bonjour Mario. Voilà, on va juste laisser comme ça. C'est magnifique. C'est pas beau, Mario? Puis avec la petite musique. L'humain qui danse. C'est magnifique. On va faire un screen, ça sera une miniature. Hop. Parfait. Ouh, voilà, je suis repu. Attention les yeux. Transformation. Une nouvelle galaxie est née. Ouais. Hop, et on finit backflip. Et nous arrivons au Daikiklak. Alors, les Daikiklak, si vous ne connaissez pas, je crois que c'était déjà présent dans le premier aussi. Ce tournoi impérieux, d'accord. C'est quand vous tournoyez, l'étal change. C'est-à-dire que le chemin rouge qui est révélé à la place du chemin bleu. Bah, de toute façon, mieux vaut une démo. Hop. Alors. Saut de tournoi et Edal se retourne. Comme ça. Vous pouvez aussi faire plusieurs fois comme ça. Parce qu'en fait, une fois qu'on a sauté, on peut tourner. Enfin, si on tournoie et qu'on interrompt l'animation de tournoyer en sautant, on n'a pas besoin d'attendre ça, on peut tournoyer directement. Enfin bref. C'est majoritairement inutile, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant avec ces dalles, c'est de faire ça. Ok, j'ai loupé. Deuxième essai. Wouh, Abeli, I can fly. Et on arrive directement ici. Hop. Et vous voyez que j'utilise aussi le fait d'interrompre le saut pour faire des trucs un petit peu bizarres. Enfin, pour qu'on ait l'impression que je tourne pas, alors que si j'ai tournoyé, puisque ça a changé, hop, peut arriver ici. Bonjour. Hop, prendre ceci, et on arrive directement à la fin du niveau déjà. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, parce que là j'ai fait accidentellement, et ça a failli me coûter une vie, ça m'a coûté trop de vie dans le passé. Donc maintenant je me méfie. Et on a une étoile. Hop. Nous revenons dans l'arrière du vaisseau. Nous avons trouvé une super étoile, une médaille comète, des pièces. Et on a accès à ça. Wouhou! Quelques fragments d'étoiles. Alors. T'as ramené à la pastère! Hé, petit gars. Tu sais ce qui est encore plus mignon que ces bêtes-là? Bah en fait, rien. Ah, allons, te vexe pas, Mato. C'était pour rire. Bon, corrige-moi si je me trompe, mais on dirait qu'il y a quelque chose à te dire, Mato. Ça marche. Hop. Va également lancer le dé. Oh. Non, c'était pas ce que je voulais. J'aurais pas fait une vie, mais bon, c'est pas grave. Alors, bonjour. Agite la 8 mois de temps. En tournoyant, tu gagnes un petit peu de bruit, d'accord? En hauteur et en longueur. Comment tu crois que je fais pour bondir si haut, moi? Allez, saute avec moi, bruit. Même. Regarde, je peux t'utiliser aussi pour sauter plus haut. Non, je le savais déjà, je pense quand même. Bon, bref. Donc, nous allons pouvoir revenir dans le monde 2 sans oublier de prendre ces petits fragments en chemin. Ah, on a le drapeau blanc du j'ai abandonné. Et nous avons donc le choix entre ces deux, à vrai dire 3, mais j'ai pas assez de fragments d'étoiles encore une fois. Galaxie. Alors,
Par quoi commençons-nous? Bon, on va commencer par Arapiano Tropical. Hop. C'est une séquence où on va utiliser les motion control de la Wiimote. Donc, c'est plutôt cool que j'ai ma Wiimote cette fois-ci. Comme ça, j'aurai pas à faire des trucs bizarres pour que ça marche. Enfin bref, Arapiano prend son envol. Alors. Bienvenue. Bonjour. Araplane est très timide. Il ne vole pas très bien. Pas très bien. Mais il veut bien voler avec toi. Vénard, Vénard, tu vas pouvoir planer. Si tu veux planer avec Araplane, nous, on veut bien t'apprendre. Ok. Planer, planer. Alors, écoute, écoute. C'est bon, t'es pas obligé de tout répéter. Voici les clés pour bien planer. Pointe l'écran avec un mode bien à la horizontale. Hop, c'est bon. C'est pas à l'horizontale, ça. Voilà. C'est. Est-ce que je suis horizontal? Non, je suis pas horizontal. Je suis. Ok, bon, soit. Pour tourner à gauche, pivote la remote vers la gauche. Tourne, tourne. Très bien, très bien. Ensuite, incline la remote vers le bas pour piquer. Là, j'incline pas vers le bas. Essayer, peut-être que ça va marcher si je fais ça. Non, c'est toujours en piqué. Ok. Pour ralentir, incline la Wiimote vers le haut. Ralentir, c'est pour être trouillard. 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 Si tu franchis le portail en forme de soleil au bout de la forêt, tu as gagné. Mais ce sera dur. 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 Ok, t'es pas obligé de répéter, je t'ai dit. Alors. Deux buts. D'abord. Arriver jusqu'au bout. Et deux yeux, hop. Passer à travers tous ces portails. Parce que ça va nous ouvrir à la fin. Hop, c'est par là. Ça va nous ouvrir pour la médaille comète. Et avoir des médailles comètes, c'est cool. Hop. One up, tant qu'à faire. On peut plonger maintenant. Et wow. On se calme. Rip. Bon bah tant pis hein. Tant pis, tant pis. On va passer par là. On n'aura pas la médaille comète, c'est triste. Ah. À moins qu'on meure. Non, on devrait pas. On va juste pouvoir avancer ici. Hop. Et se prendre. Pensais que ça passait. Ok. Bon, on avait vie, c'est large. Du coup, on va pouvoir réessayer ça. Ça passait pas. Ok. On va faire plus attention également. Et alors, il va falloir que je passe le plus chaud possible pour ne pas louper la quatrième porte. Ça va pas être ça, par contre. Hop. Plane tranquillement. Vraiment planer haut. Je vais placer au-dessus de ça. Ouais, c'est bon. Et là maintenant, ça devrait être bon quand même. Ouais, a priori, on devrait être bon. Je vais plonger un petit peu. C'est bon! Wouhou! On peut aller par là. Aïe, oups, j'ai plongé trop bas. Faire attention ici. Arriver à se prendre. Là, c'est bon, je pense. Ouais, c'est bon. Allez ici. Et ça va nous ouvrir ceci. Et faut pas la louper, évidemment. Et c'est bon, on a. Et quelques fragments d'étoiles. Et nous sommes arrivés 1 minute 22 avec avec la médaille comète. Bravo, tu as plané comme un pro. Pro, pro, même Araplane a l'air heureux. Tiens, prends cette étoile, merci. Et nous avons donc cette étoile.
Vous avez trouvé une étoile. Wouhou! On est sauvé. Nous avons une étoile. Vous avez trouvé une super étoile. Arapten prend son envol. Vous avez trouvé une médaille comète, des fragments d'étoiles. Et on peut directement avancer vers la fin du monde 2, mais évidemment on ne va pas faire ça. Hop. À la place, nous allons aller dans l'anse étoilée et faire les étoiles du coin. Hop. L'énigme des cascades jumelles. D'accord. Alors voyons voir. Ah, on a les fameuses cascades jumelles et effectivement on voit une étoile là-haut. Et nous allons avoir droit à la fabuleuse mécanique qui est la nage. Wouhou. Alors, dans le premier Mario Galaxy, vous vous souvenez probablement d'un glitch qui nous permettait de nager à la surface super vite. Bon bah ça malheureusement c'est parti et maintenant on nage comme ça. On peut pas tournoyer autant qu'on veut et c'est plus long, clairement. Bon. Du coup, on va prendre une carapace puisque c'est désormais le moyen de locomotion le plus rapide sous l'eau. Et nous allons nous occuper du mystère. Vous sautez avec B, je crois. Ouais. D'accord. Alors, hop, on a la médaille comment ici, je peux freiner avec Z, oui. Ah. Voilà, tourne la caméra. Wouh. Alors, bonjour. Allez, s'il te plaît. Hop, voilà. Alors, hein, c'est quoi cette histoire? Tu cherches une étoile? Bon, chouette, tout ce que je peux dire... J'ai déscaladé les cascades. C'est clair, je pense. D'accord. Seulement escalader les cascades, ça va être un peu difficile dans ce coin. Donc, on va, dans un premier temps, aller voir ce goiffre humain. Bonjour. Je suis affamé, tu veux bien me donner 15 pièces? Non, j'ai pas 15 pièces. Oui, d'accord. On s'occupera de ça plus tard et on va plutôt te parler. Oh, j'en ai assez de nager tout le temps. Je voudrais bien patiner un peu. T'as raison, moi aussi. Allez hop, c'est parti. C'est pas magnifique? Youpi, l'eau a gelé. Acquis une stick et agite la mode pour te mettre à patiner. Et nous allons donc pouvoir patiner. On peut même faire en arrière des triple axel. Bon, bref. Ce qui nous intéresse pour le coup, c'est juste de monter et de faire des sauts muraux. Puisque maintenant on peut, étant donné que la cascade a gelé et nous avons directement cette étoile, sans souci aucun. Hop. Vous avez trouvé une étoile. Étoile, on s'est trouvé le nom des cascades jumelles, médaille comète, pièce. Vaisseau Mario peut maintenant voyager plus loin, mais vous vous en doutez, on va retourner à l'anse étoilée. Hop. Aussi, tant que j'y suis, quelque chose que j'ai réalisé, j'ai dit au premier épisode que après le kidnapping, on devrait collecter 60 étoiles. C'est faux, c'est 70 dans le jeu, il me semble. Bref. Donc voilà, je voulais corriger. Alors, l'exploration de la grotte inondée. Oh, une clé. Hop, ah, on sait pourquoi on a besoin d'une clé. Alors, ce pauvre humain est coincé à dents. Alors, tout le monde cherche la clé pour sortir de là. Pas de souci, on va faire pareil. Hop, et on va se presser. Voilà, alors. Ok, on a un tuyau par là. Parfait. Tout le monde est à l'intérieur en train de fouiller partout. Ça marche. Hop. Pas descendre. Alors. Bonjour, nage plus vite avec... Ah oui, je sais.
J'ai cru que j'allais me le prendre, mais ça va. Plonge avec Z. Très bien. Je suis pas sûr que ça soit plus rapide que juste nager vers le bas. Ouais, non, c'est mieux de nager vers le bas, j'ai l'impression. Ok. On peut prendre ça pour se remplir en eau. Hop. Taper ceci qui va ouvrir cela. Bonjour. Comment vas-tu? Non, madame Langui, vous n'allez pas. Merci, vous n'allez pas me manger. Et nous arrivons directement à ce tuyau qui nous emmène vers l'espace, même pas sur une planète, juste dans le vide. Voilà. Donc, on va pouvoir monter par là. Ici, on a un one-up, on va en profiter. Et on va se mettre comme ça, ce qui va nous permettre de monter plus vite ici. Voilà. Hop. Ici, on va faire pareil. Hop. Bonjour. Alors, il n'y a pas à hésiter. Plonge tête la première et tu y arriveras. Ça marche. Non! Non! Ok, c'est bon, on est en vie. Alors, je dois encore attendre du coup. Non? Merci. Ok, c'est bon. Donc, il faut juste attendre pour pouvoir monter ici. Et normalement, on a l'accès là. Ouais, c'est là qu'on a vu dans le début du niveau. Hop, avec un signe de mort. Ok, c'est bon. Voilà, parfait. Hop. On revient ici. Et nous parlons humain. Oh, c'était assez humide là-dedans. Merci de m'avoir libéré. Maintenant, je vais me transformer en un objet qui ne peut pas bouger. Super! Ne me demandez pas la logique. Bref. On va juste aller ici. Hop. Et tranquillement passer de l'autre côté avec notre chère forêt. Ah non, c'est pas par là, d'accord. Ça marche. Hop, ici, est-ce que tu veux bien? Non, tu ne veux pas non plus, d'accord. Où est-ce que tu veux me laisser passer de l'autre côté du coup? Non, ça c'est trop, j'ai l'impression. Là? Non. Le truc, c'est que je ne vois absolument aucun endroit qui marche. Bon. Je suis plutôt surpris par cela. Ah, si, j'ai vu. C'est bon. Trouvé. C'est ici. Non? Comment ça, non? Si. Ok, c'est plus à droite. Hop là. Là, c'est forcément bon. Voilà, parfait. Ensuite, tue-moi, merci. Et nous allons essayer ceci. Ok, alors, techniquement, sachez que c'est faisable. C'est beaucoup plus faisable avec Luigi qui saute plus haut. Mais techniquement, c'est faisable. Vous voyez, j'ai accroché, j'avais presque. Hop. Ah bah c'est bon, j'ai réussi. Et nous avons l'étoile. Donc normalement, on est censé forer et ce qui va libérer de l'eau et nous permettre d'arriver ici, mais pas besoin. Hop. On s'étoile, exploration de la grotte inondée, fragments d'étoiles, pièces. Alors, que dites-vous de ça? Un pingouin à bord du navire. Original. Il a l'air de vouloir jacasser avec toi. Va donc le voir. Ok. Lui va logiquement nous donner des astuces sur le patinage, pareil. Fatigué de nager comme une pierre? Ah non, sur un nage, tiens. Ah, super. Alors, agite la Wiimote sous l'eau pour accélérer comme un vrai pingouin. Ça reste long, hein.
on va pouvoir revenir et faire la dernière étoile, celle du goinfre humain qui voulait casse-pièce lors de la première étoile de cette galaxie. Hop. Nous allons tranquillement nous occuper de lui. Alors, voilà. Alors déjà, pour que ça fasse une pièce, il me semble qu'il faut que ça soit comme ça. Non, ça fait, a pas fait pièce là. Comment alors? Ah oui, il me semble qu'il faut d'abord. Ouais, ok. Ok, c'est comme ça. Il faut d'abord normalement les taper. Alors attendez, on va essayer avec celui-ci. What? Pourquoi? C'est peut-être que dans un sens, ça serait logique d'un côté. Hop. Ouais, c'est que dans un sens et c'est bien comme ça, ok. Donc, faut juste espérer qu'on a encore assez de pièces. Alors. 3. Il nous en faut 15. Ça va pas forcément être simple. 10. Encore 4. 11. Et 12. Maintenant, le reste. Où elles sont? Est-ce que par le plus grand hasard, ici, il y aurait quelque chose? Non. Fort bien. Du coup, j'ai en plus même plus de carapace. On a la 13e pièce ici. Il en faut encore quelques-unes. Je peux pas prendre de risque de... Ah si, je peux prendre de risque de geler en fait. Vous les avez vus là-bas? Moi je les ai vus. Donc on va juste geler pour pouvoir y aller plus vite. Pise. Voilà. Hop. Voilà. Et nous allons atteindre les pièces là. Oui, il doit geler, je sais. Hop. Nous avons 3 pièces ici. On en prend que 2 vu qu'on en a besoin de 2. Et nous allons gentiment revenir ici. Alors, bonjour. Tu veux casse-pièce? Eh bien, ça tombe bien, j'ai casse-pièce. Parfait. Ça y est, je suis un peu. Qu'est-ce qui m'arrive? Transformation. Une nouvelle planète est née. Une nouvelle planète, avec elle, une nouvelle étoile. Hop. Ah. Ce serait pas ce que je pense. Si, c'est ce que je pense. Ok. Bonjour. Tu crois que tu peux m'attraper? Oui. Ok. Je te tuer. Yes! J'ai réussi. C'est bon, tu as gagné. Tiens, prends-la ton étoile. Oui. C'est quand même beaucoup plus simple avec une émote. J'avais essayé ça dans le premier. Et j'avais un petit peu galéré. Et là, j'ai réussi le premier coup, donc c'est parfait. Hop. Vous avez trouvé une étoile. On s'est étoilé à la poursuite du Harpaster. Étoile, pièce, la partie a été sauvegardée. Et avec ça, on va arrêter ici ce 4e épisode de Super Mario Galaxy 2. On attaquera la prochaine fois Bowser. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et sur ce, c'était Jeu Pas Corps. Allez, ciao tout le monde !